dans sa dot, on a insisté, il y a un de ses oncles, le méchant, qui avait insisté sur 33 sacs de termites. J'ai payé. Donc moi, viens monter sur ma moi, ici au quartier. Non, je dis que non. Tu as commencé à laver les urines, après tu as lavé les caca. Ouais, ça t'aboute. Ouais, mal, dégagé là-bas, tu me dis. Ouais, papa. Moi, je sais que c'est monsieur mon mari qui a pissé. Hé, hey, on appelle ça quoi? Quelqu'un va avoir l'infection pulmonaire, etc., à cause des odeurs, des urines. De la cuisine jusqu'au salon. Maladie ou c'est quoi qu'il arrive, je ne connais pas. On ne peut plus recevoir des étrangers ici dedans. On ne peut plus. Quand le jour on a même lavé le sol jusqu'à nettoyer avec le javel. Il va dormir où? Je vais laisser mon lit conjugal pour dormir. Pour dormir où? Ce qui est devant, c'est qu'il voit encore une mélange à ça. Ça sent. Je dis que le couvert l'a pu. Merde, j'ai même envie de vomir un moment. Et il est encore couché de vieille dorme. Qui dort sur les urines là? Parce que ça a mouillé au matériel jusqu'à mouiller même mon habit. Je sais que tu as besoin de changer. Qui dort encore sur les urines là? Tu as allé faire quelque chose dans mon ventre là, ça tourne seulement à l'intérieur. Si ça continue comme ça, je risque d'abandonner seulement la maison si c'est parti. Je ne peux pas vivre dans ces conditions-ci. Je ne peux pas. Et il n'arrive pas à te donner une explication que tu peux comprendre, que tu puisses comprendre. Je sais, ma. Je mange avec lui. Je connais ses mains. Je connais les mains de Domo. Je connais. Domo, c'est quelqu'un que tu peux le témoigner quelque part. Hein? Si tu écoutes les témoignages de Domo là-bas dehors, ce ne sont que les témoignages négatifs. Il n'y a rien de positif en lui. Maintenant, au lieu que ce soit pour les enfants, c'est pour un vieux père, un grand-père, il y a un grand-père. Le matin, on sait ce que maintenant, maman. Si je n'habitais pas dans la barrière, tu peux y aller comme un poudre avec toi, tu veux capter. Tu vas voir les petits enfants là-bas chez toi. C'est le matin, je crois que tu sais chaque jour. Maman, imagine seulement que ta famille, une grand-mère de l'Église, là, tu peux expliquer le thème de l'Église, le matin, c'est bien. Quel enfant de 2 ans ici, là? Nous ne sommes plus trois dans la maison, sinon, c'est chez la grand-mère. Tu connais d'abord la taille, tu connais d'abord la douleur que c'est dans mon cœur. Tu viens encore me narguer que c'est mon mari. Ok. On va subir les humiliations là ensemble. Tous tes amis qui arrivent ici, que c'est ici, sur le balcon que tu les reçois. Je vais leur dire que ton père est son lit. Maman, maintenant, il n'aura pas vu mes amis et mon père.
C'est mon mari, non? Tu verras ce que je fais. Moi, tu t'en vas. Donc, tu n'as pas. Tu ne honte pas un dormo. Tous les jours, tu sèches le matelas, que c'est le matelas de quoi? Je honte que j'ai chez eux. Mais c'est chez eux la différence de ça dormo. Moi, je ne parle même pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Tu ne parles pas quoi? Tu ne parles pas que tu n'as pas d'explication à me donner? Tu ne parles pas de quoi? Dis pour moi ce que je peux entendre dormo. Si c'est quelque chose que tu peux faire, dis-moi. Si c'est une maladie, dis-moi. Ne cherche pas à me crier dans les oreilles. Moi-même, ça me plaît de sortir tout le matin avec le matelas. Non, moi, la solution, c'est quoi? C'est la solution là que je suis en train de chercher. Laisse donc, ça sort, ça s'arrête. Donc, ça sort, ça s'arrête. Oui, tu penses là à 60 ans, je vais te dire, c'est... Ouais. Donc, moi, je pense que je vais t'abandonner à cette maison-ci. À cette allure, non? Je crois qu'elle va te laisser avec cette maison. Je ne veux pas vivre avec un homme. C'est ton babadage même qui déclenche les pipis sur toi. Ah bon, hein? Je n'ai pas vu papa un homme qui pisse au lit. Je préfère tous les défauts. C'est toi qui es infidèle. Tu fais comment pour dormir ma... babadage qui déclenche ma... Tu fais comment pour dormir avec les femmes avec qui tu me trompes tous les jours quand tu pisses au lit? Tu ne pisses pas souvent devant elle aussi? Moi, je soupçonne même que c'est toi qui m'as fait 5 ans. Est-ce que c'est ça? Pourquoi? Je soupçonne que c'est toi qui m'as fait 5 ans. Par rapport à quoi et pourquoi? Quand j'étais encore bordel, tu m'avais dit quoi? Que tu vas me faire un truc que tu dois jamais oublier, non? Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. En pensée, en parole, en parole, par action et par omission. Ah, oui, j'ai été bordel. C'est ce que tu voulais me dire, non? Quand tu étais encore bordel, tu avouais que tu étais bordel. Aujourd'hui, tu viens avouer, non? Mais donc, tu m'as bloqué. Même si c'est quelqu'un qui t'a fait ça parce que tu as pris sa femme, tu vas quand même continuer à pisser. Je dis que tu vas continuer à pisser, non? Regarde-moi ça, pisseur. Ouh, pisseur. Ça fait quoi? Ouh, babadeus. Ouh, radio. Tu vas parler la radio, je puis on est égal. Donc moi, tu es monté, tu es descendu. Moi, ça me plaît trop que tu dors le matin, je me réveille dans le lac. Je pense que ça plaît à qui? C'est pas que je connais là où ça sort. Le conduit que tu décides de prendre là, ça, bien sûr. Ne prends pas le conduit seulement parce que je suis simple. Parfois ça sort, je ne comprends même pas. Donc quand tu vas te décider de ne plus faire pipi au lit. C'est pas moi qui décide, Caprice. C'est le type qui est en bas, c'est lui qui décide. Et je fais quoi? Lave quand même deux jours. Ça va finir seul. Ouais. Donc, je ne peux pas vivre dans une maison et avec un homme qui pisse au lit.
Je ne peux pas. Ça a commencé, ça fait que 3 mois, maman. Ça fait que 3 mois, tu sais, depuis 3 mois. Tu t'imagines ce que mes amis peuvent penser dans leur tête que mon mari puisse au lit. Tu avais dit que quoi quand on s'est marié, maman? De quoi? Pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas moi qui avais dit, c'est ce qui est écrit dans le registre à la mairie. Ce n'est pas moi qui avais dit. Tu as signalé ça que oui. Et donne ma part de plus, c'est que tu puisses au lit. Va encore là-bas. Je ne comprends pas. Non, quand tu vas te soigner, non? Fais-moi appel pour le moment. Il y a des fois, je rêve, tu vois, je suis en train de nager dans le lac. Je me réveille, je vois que ça fait déjà fait ça comme ça. On fait toutes les propositions, tu n'acceptes pas. Chérie, dis-moi, tu as un problème, tu es malade, on t'a seulement fait, tu ne parles pas, tu me nargues. Et je continue à supporter. Je n'ai pas nagé avec toi, j'ai dit que... Je n'ai pas parlé de nager, j'ai dit que tu me nargues. Ça veut dire que je fais quoi alors? Ce que tu veux, laisse-moi partir. Caprice, non. C'est Brissan qui m'a fait ça. Brissan, c'est qui? Ton voisin, c'est en bas. Mon voisin ou notre voisin? Notre voisin, c'est lui qui a fait ça, c'est lui que je soupçonne. Il t'a fait ça sur quoi et par rapport à quoi? Tu vois, quand j'étais câblé là. Oui. J'ai câblé chez lui. Oui. Et le temps là, c'est le temps que tu disais que Dormo ne borde pas, ne borde pas. Je ne fais pas la portillerie, ça venait seul. Donc je me retrouvais en train de faire les... Ouais, Ndomo, explique-moi. Tu as câblé, il t'a payé, il ne t'a pas payé. Non, il n'était même pas là, il m'a seulement surpris chez lui. En train de faire quoi? Non, ce n'est pas que faire quelque chose. Quand j'ai câblé, oui, il y a le courant qui m'avait frappé ici. Sa femme a dit que comme le courant t'a frappé, là-bas t'es lavé aux toilettes. Donc je suis parti, donc j'ai nettoyé tout mon corps. Et après? Je me suis essuyé et elle m'a lancé la serviette. Quand elle me lançait la serviette, ça s'est détaché. J'ai compris comment elle a crié. C'est où j'ai dit que, hey, maman, tu cries quoi? Donc, hein? Tu es courageux. Donc, tout ce que tu expliques là, tout le contour et le boutou que tu fais là, c'est pour m'expliquer que quand tu étais câbleur, tu allais chez Brissa coucher avec sa femme. C'est elle qui a couché avec moi, ce n'est pas moi qui a couché avec elle. On était que chez elle. J'ai câblé, elle a dit que les images sont claires. Quand ça m'a frappé là, elle a dit que... Donc moi, tu as couché avec la femme de ton voisin. Le voisinage qui a eu une seconde famille. Non, c'est elle qui a couché avec moi. Ce n'est pas moi. Je ne faisais pas. C'est bon. C'est pour ça. Tu m'avais déjà gondé sur l'autre là, non? Est-ce que je peux d'enfant? Donc moi, s'il te plaît. C'est là où maintenant, Béthien est rentré. Il a dit que tous ceux qui passaient, il avait vu mes chaussures devant la porte. Il a pris ça. Il a dit que tous ceux qui ont déposé les chaussures, ils vont voir seulement. Le même soir maintenant, j'ai pissé les toits litres. Le lendemain, je me suis dit que ça a pissé seulement. J'ai encore pissé, cela j'ai tenu. Donc, est-ce que quand tu fais ça avec la femme de quelqu'un, ça te prend chez toi? Non, moi, tu as vu le bénéfice de l'infidélité, non? Je ne fais plus ça, maman. Tu as vu le bénéfice de l'infidélité, non? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Te voilà, tu pisses au lit. On ne sait même plus. Quand on fait même l'amour, quand tu jures, on ne parvient plus à distinguer entre le sperme et les urines. Ouais, c'est pas moi qui fais. Je vois que tu avais dit que tu voulais aussi que je sois fontaine. C'est parce que quand je fais ça maintenant, ça sort. Depuis quand un homme est fontaine? Non, c'est quand Brissan m'a fait ça là. Pardon, va voir Brissan. Je ne sais pas, j'étais déjà sorti dans tellement de difficultés. Je n'arrive pas à me séparer de toi. Nous sommes les secondes. Viens pas voir. Ça, c'est le dernier retour que je peux gérer avec toi. Tout dernier, je ne peux même plus faire le cap. La dernière fois, tu étais à la cellule. Où c'est à la cellule, où c'est en cellule. Je suis allé t'enlever. La dernière fois, t'as enfermé dans un magasin où tu allais prendre la fille de l'enfant de quelqu'un. Je suis allé t'enlever. Aujourd'hui, c'est sur le voisin que je vais aller m'humilier. Moi, je ne savais pas. Avance. Ouais, avance ou pas? Bonjour madame, comment vous allez? Je vais bien, voisin. Mais sauf que tout ne va pas bien chez moi. Ce que vous ressentez là, j'ai ressenti cette douleur. J'ai dit ce que vous ressentez maintenant, j'ai ressenti ça le jour que j'ai trouvé ce ventre chez moi avec ma serviette, avec ma femme nue. Comme tu le vois là. Question que je respecte ce quartier, il fait le câblage. Je lui donne l'argent, je le trouve, je lui donne la bière. Domo vient monter sur moi, ma femme, moi. Ce qui t'arrive, non, c'est rien. L'autre est en train d'arriver, tu vas seulement commencer à chier sans contrôler. Tu comprends? Mon père, depuis que toi et moi, nous sommes ici au quartier,
Est-ce qu'on a un problème, ni avec toi, ni avec les enfants? Je n'ai pas de problème, c'est toi qui pisse. Si. Bientôt, ça va atteindre le niveau de caca, il va chier sans comprendre. Ouais, pas si. Vous allez quoi, non? Quelqu'un fait la folie, ce qu'il veut dire faire même que dans la maison, il veut dire prendre la femme de son voisin, ce n'est pas la folie. Je ne faisais pas la folie, c'est elle qui avait dit que je. Tu fermes ta bouche. Donc, tu fermes ta bouche, tu t'abandonnes ici et pas. Non. J'ai un de mes enfants là, mon gars. Ces jours sont comme pour celui-ci. Je te dis que. Et il est toujours en train de travailler sur le courant. Il dit toujours que papa, je vais carver la télé. Mon alors, quand j'ai vu ce gars, j'ai confirmé que ça, c'est son enfant. Bon, il faut déjà savoir qu'il y a un enfant ici qui vous appartient. Et, madame, je vous dis, sans me tromper, que les urines, c'est une première phase. La deuxième phase, c'est le chier sans comprendre. C'est-à-dire que tu dors comme ça. Tu te lèves le matin, tu vois seulement le bébé là rempli. Tu vas voir. Attends, t'explique. On va couper court. Tout est simple. Très simple. J'ai doté ma femme. Dans sa dot, on a insisté. Il y a un de ses oncles, le méchant, qui avait insisté sur 33 sacs de termites. J'ai payé. Donc, moi, viens monter sur ma. Moi, ici au quartier. Non. J'ai dit que non. Tu as commencé à laver les urines, après tu as lavé les caca. Ouais, ça t'a foutu. Te... Ouais, Marc, dégagez là-bas, tu me dis. Ouais, papa. Donc, moi, on va résoudre ça comment? Donc, maman, tu fais quoi sur la femme de quelqu'un? Donc, moi, tu as fini de faire sur moi jusqu'à ce que tu vois en train de faire sur la femme de quelqu'un d'autre part. C'est la folie d'accepter. Quoi? Et avant que ta colère ne baisse, tu vas continuer à laver tes urines. Papa, reste avec, pardon. Tu veux pas aussi, je veux porter les couches.